Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est en départ pour l'Algarve et comme vous pouvez le voir, on est dans le camion, on l'a aménagé et on a pris toutes les planches possibles et on va voir sur quel spot on va tomber. Tout droit, je crois. Bon. C'est mon copilote, sur les double emploi. Attends, il faut que je regarde le plan. Bon, je reprends, effectivement, il fallait tourner dans 20 mètres. Mais c'est bon, on a bien tourné. Voilà, on a regardé un petit peu tous les spots qu'il y a, mais on a l'impression qu'il y a aussi beaucoup de criques et beaucoup d'endroits où on espère se poser. Il y a Martin qui nous suit en plus derrière. Et ouais, Martin est parti 2 jours avant nous. Et là maintenant, on va partager le trip avec lui. Elle est fantastique cette maison. J'ai acheté un autoradio et la seule chaîne qui marche, c'est de la musique classique. Ça va, c'est cool. On dirait on arrive en Grèce là quand on regarde le truc tout droit devant. Ça y est, premier stop ici sur cette plage qui est magnifique. Et on dirait qu'il y a une petite droite. Oh non, le cadre là. Alors Martin a trouvé le cadre tellement magnifique de la balade. Il s'est dit que... Life is better in board shorts. Il va pouvoir repartir et chercher la combi. Il va faire son échauffement, peinard. Et moi j'y ai pensé à ma combi. Bien. À lèvres pour le visage. Beer time. Il a raison, c'est l'heure des bières là. J'ai filmé dans l'eau et je suis bien content. J'espère que ça va rendre bien, qu'il n'y aura pas des gouttes, ce ne sera pas dégueulasse. Fais gaffe, fais voir. Attends, fais voir. Ouais, j'ai pris des coups de soleil. Ouais, vas-y. Les gars, le cadre est incroyable. Ah ouais. Je viens de revoir Alex. Si vous voulez le numéro, vous nous mettez des commentaires en bas de la vidéo. Cours de bodyboard, massage, des cadeaux. Paris massage. Qu'est-ce que tu veux mettre? Muesli, peanut butter, banane, des noix. Et il me reste un brugnon, je vais le partager. Ils sont mignons. Et que ça brille. La vaisselle, au sable et à l'eau de mer. Pas de produits chimiques. Alors ça marche? Ça marche nickel. Je vais faire mon petit yoga matinal, parfait ici, dans la petite crique, puis peut-être que je vais finir par un petit pouf d'ailleurs. Même Fred ici même. Fred. Alors, vos impressions, vos sensations? Pétir.
Et c'est agréable de se tirer de temps en temps quand même. De temps en temps. Petit cruising maintenant. Alors l'artiste? Eh ben c'est pas pour moi, je te l'ai dit. Oh! Nouvel air! Non. Et moi, j'ai gagné! Mais 2-0 pour moi, j'ai gagné. Deuxième, et Martin? Et là, on attend parce qu'il y a Cousteau qui est en train de se noyer bientôt, donc on le garde à l'œil quand même. Tout là-bas. Oh, un pêcheur sous-marin qui revient mais qui met trois plombes. Soit il a chopé une baleine, soit Martin il va devoir aller le chercher, je pense qu'il perd. Premier cours pratique de sauvetage. Lifeboard. Bon, Fred est parti le chercher. Eh bien, le pêcheur, il s'en tirait pas, donc Fred et Martin viennent d'aller dans l'eau pour le chercher. Ils ont l'air de batailler, donc je vais aller chercher la planche en vitesse. Il y a du courant, donc c'est pas facile non plus. Mission accomplie, Fred l'a sorti de l'eau. C'est lourd, son poche. Quand t'as pris les poissons et... Tu lui as dit, tu lâches tes poissons, je l'ai pas fait. Ouais. T'as dit ça? Ah ouais. Mais non, il a dit quoi? Il est gardé, tu veux, regarde le courant, il est. Ah ouais. Bon, il rentrait pas, hein. Au moment où il a trempé, quand je suis arrivé, il a bleu violet. Oui, t'as pas bien. De fat. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ah bah, il arrive. Et là, ben, moi, je veux, Il y a trois couteaux dessus. Comment il aurait pu faire autrement, ce gars? Son poisson, je l'ai pas soigné, si tu sais pas nager. Généralement, quand il y a des cailloux d'un côté et de l'autre, tu peux y aller courant, tu pars vers le large, tu pars rentrer le long des cailloux. D'accord. Et essayer d'aller chercher les mousses plus vers le banc. Là, il aurait fallu aller plus là-bas, c'est ce que vous avez fait. T'es rentré avec les mousses. Et bon, avant tout, il aurait dû lâcher son poisson, lâcher sa ceinture, lâcher ses calamars, tout virer, il avait une petite bouée, ben, se mettre sur sa bouée. Et le monsieur qui allait nager, qui s'est pas nagé pour aller le sauver, lui aussi, hein, il allait se noyer, c'est sûr. L'autre, il est parti en brasse indienne. Ah ouais. Mais même au bord, là, quand il est arrivé juste là, il faisait des petites brasses. Il était en direct. Il était pour toi, lui. Quand il s'est mis dans l'eau, toi, tu t'es mis dans l'eau direct. Et après, vaut mieux, pour aller aider quelqu'un, il vaut mieux y aller avec des palmes ou une planche. Il faut pas faire ce qu'on a fait. Voilà, on a fait parce qu'on avait rien et qu'on sait qu'on pouvait rentrer. Faut pas y aller si on n'est pas sûr de pouvoir rentrer tout seul de la situation. Ça vaut pas la peine de se mettre en danger soi-même pour aller sauver quelqu'un, parce que dans ce cas-là, il y a deux personnes qui se noient au lieu d'une. Il faut être sûr de pouvoir rentrer avant d'aller aider quelqu'un. Et faire attention au vent, il y a le vent d'est, là, le vent, il est offshore. Il nous pousse encore plus. Il nous pousse au large. Celui qui a le short bleu, il allait chercher difficilement un ballon à 10 mètres du bord. C'est pour ça, quand il s'est mis dans l'eau pour aller aider son copain, il a dit de repartir au vent. Et là, sur la plage. Sauver les poissons. Putain, t'as même pas gagné un calamar, quoi. Il avait tout le remerlin sur la cheville, quoi. Il avait trois couteaux. Bon, je suis allé chercher la planche, mais c'était trop tard. Oui, t'es obligé, t'as bon. Obligé. T'aurais pas gagné un maï-maï, mais une bière. Pas mal. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Yes, le simultané, vous l'avez fait. Pour le vlog. Avant la coupure sauvetage, on a oublié, hein, mais j'étais la grande leader du lot. Donc il y a combien? 2-0? 2-0. 2-0. Et c'est parti! Uno, plus qu'une carte, c'est à moi de jouer. Et allez, alors, trois fois. Comment tu vis trois défaites d'affilée? Comment tu vis? Le mec, il est pas très bon. Il a gagné après 9 parties jouées, il vient de remporter la première par erreur. 200. C'est second win. Okay. Celle-là, il faut suivre. Hop là, ça, c'est là, c'est cette direction. Ludo, ça va? Franchement, si elle se sourira, c'est que ça va pas.